Casablanca Essaouira sans prendre l'autoroute. Et je pense que le GPS m'a amené dans des routes pas très opérationnelles. Bon, un car arrive, donc là, prudence. Après 5 heures de route en pleine, je commence à respirer parce que je me retrouve dans les montagnes, ouais, dans les collines. Très belle. Après avoir passé plusieurs petits villages pittoresques, ce lundi 24 octobre, je me rapproche de Essaouira, ma prochaine halte, et je me régale en voyant ces paysages. J'ai de temps en temps planté quelques bâtisses. Village, ils déchargent les olives vertes sur le trottoir, c'est énorme. Petit village perché, tu te demandes d'où vient l'eau qu'ils ont. Moi, bon, je vois qu'il y a des fils, donc il y a qu'ils ont de l'électricité. Franchement, celui-là là-bas au fond, on dirait qu'il est abandonné. Et ça se voit que je descends dans le sud, 34 tout à l'heure, à 3h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, 34, c'est pas mal. Il recommence à faire chaud. La couleur de cette terre, rouge, c'est quand même assez perdu pour avoir franchement je plains les jeunes qui sont nés par ici, c'est la zone. Ah, les fameux ânes sur la route, et toujours le sourire, toujours dire bonjour, c'est vraiment admirable, ce peuple marocain. Ils sourient, certains me disent bonjour, bon, d'autres me font des gestes un peu vulgaires, mais bon, c'est pas grave. Bon, on m'a fait des appels de phare, donc il doit y avoir les flics. Gaffe, j'y vais, gaffe. Voilà, la traversée de Talmest, alors vous voyez, enfin, il est 2h, mais il fait cuire encore. Voilà, ça, c'est bon, celle-là elle est propre, mais c'est une rue typique, quoi. Le cuisinier qui fait à manger là, sur son barbecue, qui enfume tout, pas lui tout seul, qui enfume toute la rue. Mais c'est vraiment pittoresque. Et maintenant, j'ai tellement pris l'habitude que ça me fait plaisir. Et là, les taxis qui attendent là, taxis animaliers qui attendent leur monde. Et toujours ces petits magasins, toujours qui se touchent. 40. Ah, c'est peut-être là les flics alors, qui regardent si on est à 40. Mais je vais rester à 40. Si le gendarme le wed à sec, bien sûr. Qu'est-ce que tu me traverses pendant que j'arrive, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Ah. Un de plus à sec. On n'est pas loin de la mer.
on n'est pas loin de Safi. Une autre route pittoresque à 50 km d'Essaouira. Non, je ne suis pas sur un sens unique, je suis sur une double voie. Donc à chaque croisement, c'est olympique. Surtout que les bords, ils sont... C'est des cailloux et ils sont... Heureusement que ça ne dure que 5 km comme ça. C'est rock'n'roll. Les surprises du GPS et des mauvaises coordonnées. Donc 15 bornes comme ça, c'est la catastrophe. Je suis en pleine pampa. Bon, mais je ne suis pas à mon premier essai, puisque en Slovénie j'ai fait 20 km comme ça, et en Suède plus de 30. Donc 15 km pour moi, allez, ça va être de la rigolade. Mais peut-être pas pour le camping-car. J'entends que ça bouge derrière. C'est pas génial. Bon, on va essayer de surtout pas crever, parce que là on est au milieu de nulle part. Courage. Je peux pas faire un Maroc plus profond et plus véritable, plus vrai Maroc. Des lacets sur des cailloux qui bougent, tu te loupes, tu vas voir là-bas si j'y suis. Là, je crois que j'ai fait une petite bêtise. Mais j'espère qu'il ne faudra pas que je remonte sur la côte là-bas. Ben voilà, là, au fond là-bas, et ça ouira. Bon, on me fait légèrement tromper, donc je vais voir si j'arrive au camping sans encombre. Ouïouïouï. Ah, ça, je l'avais jamais fait là. Hein. Je l'avais jamais fait. Bon. Mais si j'y reste, là, je serai bien malin là. Maintenant, j'ai les pneus mouillés, c'est super. Bon, ça va les faire refroidir, mais pour monter maintenant, putain. Allez, on va voir. La fin de mon cycle. Dans 200 mètres, prendre à droite sur P2212. À Ida Ougourde. La fin de mon supplice à Ida Ougourde. Du goudron au loin. Waouh! Eh bien, j'y serais arrivé. Ah là, c'était bien plus rude que la Suède ou la Slovénie. Ou les forêts de Slovénie, oui, franchement. Là, j'ai trouvé. Ouais. Sur P2212. Ah, je vais pas me faire prier, non, je vais prendre à droite, il n'y a aucun souci.